We can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Salut à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le zombie de Call of Duty. On se retrouve tout simplement sur la map Pokémon, puisqu'aujourd'hui je vais affronter des Salamèche, des Pikachu et des Carapuces. Donc voilà, on se retrouve tout simplement dès la manche 3 pour vous présenter un petit peu le système des atouts. Donc on peut voir qu'ils sont enfermés dans des cages et il faut donc les débloquer. Je ne sais pas exactement comment, je vais le découvrir avec vous. Donc normalement, est-ce qu'il faut faire des kills à côté de la cage? Est-ce qu'il faut faire un nombre de manches? Est-ce qu'il faut faire un nombre de kills? Je ne sais pas exactement. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez pu voir la map Spider-Man qui était faite par le même développeur. Donc en fait, sur cette map Spider-Man, il fallait faire des kills à côté des portes pour les ouvrir. Donc ça, plus on faisait de kills à côté d'une porte, plus ça envoyait comme si ça envoyait les âmes des zombies à la porte, et au bout d'un moment on pouvait l'ouvrir. Et bien là c'est le même développeur, donc est-ce que ce serait pas le même système de faire des kills à côté des atouts pour les débloquer? Je ne sais pas. D'ailleurs là à mon avis le double coup c'est ouvert, donc vous voyez que j'ai pas fait de kill à côté. Donc ça se trouve il faut juste passer un certain nombre de manches, donc peut-être que c'est ça. Voilà, donc vous voyez là il y a le pack à punch aussi. Donc les zombies voilà sont à chaque fois hein, des Pokémon. Malheureusement apparemment il n'y en a que 3, donc c'est Pikachu, Salamèche et Carapuce normalement. Je me suis dit que ça pouvait être un clin d'œil plutôt sympa de faire cette map en sachant que le jeu Pokémon Go est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je me suis dit que ça vous plairait. J'ai demandé à quelques abonnés à qui je parle souvent, enfin qui viennent souvent me poser des questions, si ça leur plairait. Donc voilà, ils ont trouvé l'idée sympa vu que le jeu venait de sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo zombie. Je suis désolé, cette vidéo est relativement courte parce que normalement je fais des vidéos découvertes des maps, mais là malheureusement il n'y a pas grand chose à découvrir. Vous voyez que c'est juste un carré. Il y a juste les atouts à débloquer, mais bon voilà, si on les débloque juste en passant des manches, je vais pas vous laisser regarder juste passer des manches pour débloquer un atout. Vous doutez bien que c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo zombie et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.